À 59 ans, Stéphane Bern semble bien conscient que l'heure de lever le pied va bientôt sonner pour lui. En effet, le féru d'histoire et animateur n'a pas du tout l'intention de se battre pour rester à l'antenne plus qu'il n'en faut. Contacté par Télé Loisirs, il a fait preuve de beaucoup de philosophie sur le sujet. Nous n'appartenons qu'à au temps qui passe, a-t-il déclaré. Avant d'ajouter, avec lucidité, je fais mon âge, je ne vais pas présenter des émissions pendant 107 ans encore. Il y a des dates de péremption. Je pense qu'il faut savoir laisser sa place aux autres. Stéphane Bern a même déjà trouvé son remplaçant. Le compagnon de Yori Bayres a désigné le commentateur de Radio France Clément Rochefort comme son digne successeur. Je verrai bien Clément Rochefort, même s'il fait mine de ne pas vouloir me remplacer, s'est-il amusé, soulignant qu'il est très doué. Mais en attendant de prendre sa retraite, Stéphane Bern a encore beaucoup de projets professionnels en cours. Il continue notamment de tourner des épisodes inédits pour son émission emblématique Secret d'Histoire mais aussi pour le village préféré des Français et Laissez-vous guider, avec Laurent Deutsch. Stéphane Bern est par ailleurs toujours au casting de la série Bellefond, pour laquelle il tient le rôle principal. Stéphane Bern bientôt en direct sur France 3 en outre, les téléspectateurs le retrouveront le 1er mars prochain en direct sur France 3 depuis Dijon à l'occasion de la 30e édition des Victoires de la musique classique qu'il présentera. Une émission qui a encore un bel et long avenir devant elle selon lui. Je vois cette émission exister beaucoup plus longtemps que moi. Ce genre d'institution ne vieillit pas, elle se régénère au fil du temps grâce aux jeunes qui montent. Je ne suis pas trop inquiet, a-t-il fait savoir à nos confrères. Quel que soit son avenir professionnel, Stéphane Bern ne peut en tout cas sans doute s'assurer d'être soutenu par son beau Yori avec qui il est couple depuis un petit moment. Ensemble, ils ont récemment quitté Paris pour une superbe bâtisse de Tirongardet, dans l'Eure-et-Loire.